4 octobre 2020, à Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh. Le lendemain, dans la deuxième plus grande ville d'Azerbaïdjan. Depuis le 27 septembre 2020, dans le Caucase, une guerre oppose l'Azerbaïdjan et la province séparatiste du Haut-Karabakh, soutenue par l'Arménie. Les deux camps s'accusent de bombarder leurs populations civiles respectives, mais se défendent d'en faire de même. They are targeting civilian population and civilian infrastructure. Our targets were only military installations. Le Monde a pu géolocaliser et authentifier plusieurs vidéos documentant ces bombardements. Elles montrent comment des armes à sous-munitions, interdites par convention internationale, ont été utilisées sur la capitale du Haut-Karabakh, en pleine zone résidentielle. Elles prouvent que des bombardements sur des civils ont bien été effectués des deux côtés de la frontière. Le 4 octobre 2020, les autorités du Haut-Karabakh publient cette vidéo. En un peu plus d'une minute, 3 salves d'origine inconnue explosent dans cette rue. Selon le gouvernement du Haut-Karabakh, cette vidéo a été tournée à Stepanakert. Elle montre l'utilisation de bombes à sous-munitions par l'Azerbaïdjan sur des populations civiles. Mais qu'en est-il? Dans cette autre vidéo, filmée par des journalistes à Stepanakert, on observe cette fois ce qui ressemble aux suites d'une explosion. On s'aperçoit alors que les 3 voitures, ici, ainsi que l'arbre, là, sont identiques et positionnées exactement de la même façon que dans la première vidéo. Il s'agit en réalité de la même rue, filmée depuis 2 angles opposés. Grâce aux images supplémentaires fournies par cette seconde vidéo, nous avons pu localiser des événements sur des images satellites. Ils se déroulent en plein cœur de Stepanakert, ici. Les images des 2 premières vidéos sont filmées dans cette rue. Mais regardons une 3e vidéo. Ces 2 voitures et cet arbre, ici, sont identiques à ceux visibles dans la 2e vidéo, là. Il s'agit encore une fois des mêmes événements. Un peu plus loin dans cette vidéo, on observe une signalisation routière au sol. Elle est bordée par une rangée de voitures d'un côté et par une barrière blanche de l'autre. Sur les images satellites des événements identifiés plus tôt, on retrouve ces 3 éléments de façon absolument identique ici. Les événements visibles dans cette 3e vidéo se déroulent donc dans cette zone. Voyons ce qu'il nous montre. Cet engin explosif est ce qu'on appelle une sous-munition. Contenues par dizaines dans de plus gros projectiles, les sous-munitions sont libérées en grappes dans les airs. Elles ne permettent pas de viser précisément des cibles militaires et sont donc considérées comme particulièrement dangereuses pour les populations civiles. Selon l'ONG Allo, spécialisée dans le nettoyage des zones de conflit, jusqu'à 20% de ces bombes n'explosent pas au premier impact. Elles demeurent armées au sol et continuent donc de menacer les populations pendant des années. Depuis 2008, les armes à sous-munitions sont interdites par une convention adoptée à l'ONU, dont ni l'Azerbaïdjan ni l'Arménie ne sont signataires. En 2016 déjà, ces sous-munitions avaient été observées dans le Haut-Karabakh. Interrogé par Le Monde, l'Azerbaïdjan n'a pas souhaité répondre à nos questions concernant ce bombardement. Mais les civils arméniens du Haut-Karabakh ne sont pas les seuls à subir les conséquences de cette guerre. Le 6 octobre 2020, plusieurs vidéos d'une explosion à Ganja, 2e plus grande ville d'Azerbaïdjan, sont publiées sur les réseaux sociaux. Toutes semblent avoir été enregistrées par des dispositifs de vidéosurveillance et indiquent des heures d'enregistrement différentes. Si l'on synchronise les vidéos sur l'instant de la détonation, on s'aperçoit qu'il s'agit bien d'une seule et même explosion.
sur les images satellites de la ville, on retrouve la couleur rouge et la forme des bâtiments ici. Il s'agit du complexe commercial Le Grand Caucase, inauguré par le président azerbaïdjanais lui-même le 10 novembre 2017. Le 5 octobre 2020, l'explosion se produit à cet endroit et est enregistrée par ces trois caméras ici. D'où vient cette explosion ? Selon le gouvernement azerbaïdjanais, elle est le résultat d'une série d'attaques de missiles arméniens contre des zones résidentielles denses à Ganja. Le même jour, le chef de la région séparatiste du Haut-Karabakh, soutenu par l'Arménie, déclarait avoir ordonné des frappes uniquement sur des cibles militaires. L'explosion du centre commercial de Ganja pourrait-elle correspondre à ces frappes ? Reprenons l'enregistrement de la caméra numéro 3. Quelques instants avant la détonation, un objet long et fin apparaît juste au-dessus du bâtiment, ici. On l'aperçoit également depuis la caméra numéro 1. Dans les instants qui précèdent l'impact, le projectile vient de l'ouest. Il s'agit vraisemblablement d'un projectile militaire lancé depuis l'extérieur de la ville. En l'absence d'images de débris du projectile, il est toutefois impossible de déterminer la nature exacte de l'arme qui a pu causer cette explosion. Ni les autorités azerbaïdjanaises, ni les médias locaux n'ont, dans le cas de cette explosion, documenté les restes de ce projectile. Des frappes du Haut-Karabakh soutenues par l'Arménie ont-elles atteint autre chose que des cibles militaires ? Interrogée par Le Monde, l'Arménie récuse toute responsabilité dans des bombardements ayant touché des infrastructures civiles en Azerbaïdjan. Depuis les faits, plusieurs autres bombardements ont été dénoncés dans les deux camps. Selon les belligérants, entre la reprise du conflit et le 23 octobre 2020, 36 civils arméniens et 63 civils azerbaïdjanais ont perdu la vie. Selon la Convention de Genève, cibler des civils lors de conflits internationaux est formellement interdit.